sur, sa, sur cette question. Le président haïtien, en fait, de regretter mémoire, donc et le président Jovenel Moïse, il participait dans plusieurs et forums, également le président et Joseph et Michel Martelly. Mais qui suivi, qui fait? Par contre, la République dominicaine se prépare, le changement climatique, il prend très au sérieux, et il prend des dispositions sur ça. Ce que nous devons se comprendre aujourd'hui, et je pense qu'il est très important, pas ou pas bois nous obliger à changer de comportement, pas ou pas bois. Madame, monsieur, les temps ne sont plus les mêmes. Ouais, Haïti que nous avons avant, 90, 86, 2000, 2010, 2018, ce n'est pas Haïti ça nous gagne aujourd'hui et ce n'est pas Haïti ça nous gagne demain. Les temps ne sont plus les mêmes. Nous obligés en tant que peuple changer de comportement et de mentalité. Notre façon de voir et de comprendre en fait ce pays, faut nous changer. Parce que tant pas même temps, hier là, encore c'est maintenant tant ça nous y est, et tant ça pas prêté comme ça. L'a évolué et l'a changé parce que le changement climatique peut permettre que nous gagnions en fait des saisons cycloniques et qui peuvent gagner de gros conséquences donc sur le pays. On va jouer des cyclones là qui a ravagé le pays. On va jouer en pile inondation donc je dis qui finit le pays. Madame, monsieur, est-ce que nous on que Haïti parle pas prendre un pile là pour nous recamper sous deux pieds. C'est ça nous dit dans ce matin de bailleurs de cela des années Nabdil. Depuis le pays loc, moi te dit nous que nous pouvons avoir ressenti conséquences de quel pays loc là et jusqu'à présent là, nous que c'est quel pays loc là sous nous. Nous pouvons capable recamper sous deux pieds militaires. Ou sorti dans pays loc et pour venir tomber dans une stabilité politique. Barricade et sécurité, qu'on y a c'est tremblement de terre, inondation et intempérie. Madame, monsieur, est-ce que vous avez que l'année ça n'est pas évident cette année scolaire? Il n'est pas évident que nous sommes capables de réussir l'année ça. Qui est-ce que vous avez réussir? Cette année scolaire, madame, monsieur, cette nouvelle année, il n'est pas évident que nous sommes capables de réussir donc une nouvelle année scolaire ça. Encore son année qui y a une année qui est perdue. Donc pour les parents haïtiens, pour les élèves haïtiens. Est-ce que vous connaissez que je dis à les parents sont obligés de faire le sacrifice pour envoyer petit à l'école en République dominicaine? Est-ce que vous connaissez ça? Parce que non seulement l'école République dominicaine, il y a plus bon marché que l'école en Haïti. Yo. Et puis deuxièmement, en termes de stabilité politique, dominicaine, par exemple, toute manifestation, ça, tout pays de la République dominicaine. Donc la sécurité que les parents cherchent. Je dis à regarder qui, combien de parents qui, je dis, hein, prennent décision, vous répétitez à l'école en République dominicaine, madame, monsieur. Parce que, il paraît clair que cette nouvelle année scolaire, il paraît très difficile pour le pays. Ou déjà, nos saisons cycloniques, comment elle a fini, parce que nous là jusqu'en novembre. Ou qu'on question de tremblement de terre. Qu'on y a, mais, selon toute étude, il y a prévoir que l'autre tremblement de terre qui a passé, qui a pas ici, dans notre pays. Jodi, qui j'en pas le faire mener Timounza à l'école? L'école qui crase, qui peut reconstruire, qui on pas le faire? Et puis, troisièmement, il y a la situation politique de ce pays. Quand il y a les élections, ou qu'on très bien, ça veut dire les élections dans le pays d'Haïti. C'est vous et monter, c'est roche, c'est crase et brisé, c'est barricade, c'est mettre du feu. Et bien, ça nous pis fort. Qui j'en qu'a fait comprendre que jodi, la nouvelle année scolaire, les 40 années qui réussit pour les parents haïtiens, également pour les élèves haïtiens. Madame, monsieur, nous avons une situation extrêmement compliquée. Et je dis, il y a des gens qui ont dit, tout les haïtiens, vraiment qui n'ont pas d'espoir, Isaïe. Imaginez un monde qui n'a pas de travail. Imaginez un monde qui n'a pas de travail. Il n'a pas ni entrée, il n'a pas ni relais ni fini. Parce que madame, monsieur, il y a des gens qui ont dit, tout. Qui levait, c'est sous compte bon Dieu au lever, Esaü. Oui, oui, ça c'est clair. Bon, moi-même, nous connaissons si des jours me le fait. C'est sous compte bon Dieu me le fait. Bah, besoin d'où, moi-même, nous connaissons si, oui. Que des jours me le fait, c'est sous compte bon Dieu me le fait. Donc, pas besoin d'où pour yon moun qui pague non nous connaissons si, aider. Qui pas un microphone côté que, en fait, cap éclairé en tant que population. Donc, que des mouns là, et que des mouns là qui longtemps dans la situation ça. Levé, non, majorité.
OK, yeah, majorité moun jodi nan yon situation ça. Ah oui. Misérable combien moun k'ap travay. Donc majorité moun levé, il pa en haut, il pa en haut, il pa en bas. Et dit que li levé, li pa konn ça le pral fè. Non. Li va konn comment journée pral passer. Comment bien madame monsieur? C'est ça que fait l'église de Chajamoun. Ah oui, c'est ça que fait Chajamoun dans l'aria. C'est ça que fait tout le monde gon téléphone, cherche un téléphone pour distraire. Pour distraire voilà. Ça n'a pas fait rien. Il pas fait rien. Est-ce que nous on compte de ça madame monsieur? Gros situation. Je parle des classes moyennes, je parle de toute classe qui a quitté pays là. Mon cher, m'a regardé semaine ça et tiens sito. Mm-hmm. Qui a peine ouvert un gros studio. C'est Domingue. Oui. Tiens sito. Oui, tiens sito. Oui, oui. Pour comprendre ça. Oui, hier nous on a parlé soir avec Corona. Bébé, mais je ne veux dire là les États-Unis d'Amérique. Une n'a plus bon ami Haïti sur ça aujourd'hui. Li mette Haïti sous liste pays à éviter parce que li gen ouais, un risque de propagation de corona sous pays à avec ça qui se passe là. Exact, c'est ça. Nous même nous c'est matin débat. Moi même pas qu'on l'a prononcé matin débat pour me passer ton fierté là quand même parce que matin débat nous toujours prévoir ça qui va passer dans pays là. C'est hier matin t'as parlé de ça oui. Oui. D'abord nous même toute équipe bleue qui vient là yo. Et cap vin là haut nous connait comment dit États-Unis m'a appelé pour tout le monde. OK, et Esaïe qu'on connaît bien pour nom de temps. Donc pendant États-Unis là oui il est là il a responsabilité de ça qui passe dans pays là. OK, États-Unis tes premier sorti c'est Haïti. Oui, c'est Haïti. Bien bien. Est-ce que c'est Haïti te bail? Jamais jamais. OK, mais là il est en Haïti son liste. Oui. OK, son liste sur une liste de pays OK à éviter. Donc pendant que je dis pays à haut risque, à haut risque à de transmission du Covid 19. OK. Bon, nous parlons avec hymne national là et puis nous parlons avec et madame monsieur nous pourrons regarder et pour qui pourrait faire débat. Donc à l'émission matin débat pour ce mardi 24 août 2021. Matin débat, les grands points qui seront débattus à l'édition d'aujourd'hui. Matin débat, les groupes qui sont donc débattus à l'édition de ce mardi 24 août 2021 à l'émission Matin débat sur Radio Éclair, également sur toute la station de radio. Vous lancez l'émission pour verser également au niveau de la diaspora haïtienne. Haïti, sécurité, finance. Y a-t-il un malaise entre la direction générale de la police nationale d'Haïti et le ministre des Finances et de l'Économie, M. Patrick Boisvert? Haïti Sécurité Finance, y a-t-il un malaise entre la direction générale de la police nationale d'Haïti et le ministre des Finances et de l'Économie, M. Patrick Boisvert? Les analyses et commentaires dans quelques minutes à l'émission Matin Débat. Haïti Justice, dossier assassinat du président Jovenel Moïse.
le juge Gary Aurélien, le nouveau juge d'instruction chargé d'instruire le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse, pourra-t-il aller jusqu'au bout? Haïti Justice, dossier assassinat du président Jovenel Moïse, le juge Gary Aurélien, le nouveau juge d'instruction chargé d'instruire le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse, pourra-t-il aller jusqu'au bout? Les analyses et commentaires dans quelques minutes à l'émission Matin Débat. Haïti politique, le Premier ministre Ariel Henry trouvera-t-il un accord avec la classe politique haïtienne sur la crise actuelle? Haïti politique, le Premier ministre Ariel Henry trouvera-t-il un accord avec la classe politique haïtienne sur la crise actuelle? Les analyses et commentaires de quelques minutes à l'émission Matin Débat. Notre invité à ce sujet, c'est le sénateur Gracia Delva. Haïti séisme solidarité. La situation est toujours très difficile pour le Sud, la NIP et la Grédence. La mobilisation continue. Le parti politique AC est au rendez-vous. Maintenant, il faut parler avec le député, l'ancien président de la Chambre des députés, le député Chozard Chancy. Haïti séisme solidarité. La situation est toujours très difficile pour le Sud, la NIP et la Grédence. La mobilisation continue. Le parti politique AC est au rendez-vous. Les analystes et commentaires dans quelques minutes à l'émission Matin Débat. Madame, monsieur, c'est ensemble de pour ça que nous allons faire débat sur vous, nous allons faire discussion sur vous, nous allons faire commentaire sur vous, nous allons analyser ce mardi 24 août 2021 à l'émission Matin Débat sur Radio Éclair 105, également sur toute la station de radio, où l'on cette émission province, également au niveau de la diaspora haïtienne. Bonne journée, bonne écoute, bon mardi à chacun de vous. Vous écoutez Matin Débat. Matin Débat, jeudi, et c'est mardi 24 août 2021. Eh bien, nous comptons avec vous matin, donc pour l'émission pour là, donc émission Matin Débat sur les ondes de radio, télé éclair. Et bien, matin, il y a un monde qui voyait me faire un cadeau 50 000 gouttes matin. Parce que je commence à faire cheveux. Non, je commence à faire cheveux. Je fini à faire cheveux. Ah bon? Mais il est bien, je commence. Bon, si je commence à 50 000 gouttes, peut-être m'arrive à 100 000 gouttes. Mais oui, mais oui. Parce que. Et je dis, on passe à la fin. Ah, oui, beaucoup fini. Ouais, ok? Ouais. Donc, ça nous fait, ce qui fait là, c'est première partie, la première version. Donc, deuxième version, on a pour elle demain matin. Ok? Donc, on a un petit couleur jaune doux, on a un petit bleu d'hiver. Ouais, et ouais, puis après. Ouais, un petit color. Ouais. Ok, bon, matin, on allait. Nous connaissons même j'avais hier. Donc, première partie émission. Nous pourrons regarder en fait dégâts du séisme du 14 août 2021 fait dans le sud, dans la Grédence également dans les NIP. Donc première partie émission, lui encore consacré donc à la solidarité également à la mobilisation suite au passage du séisme du 14 août 2021 dans le sud et également dans la Grédence. Et là, on a tout recevoir donc le maire de Camperin, également le sénateur Gracia Delva. Avec Gracia Delva, sénateur Gracia Delva n'a pas regardé pour partie. Et puis dans la deuxième partie, nous allons regarder question politique avec le sénateur Delva. En tout cas, sénateur Gracia Delva, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat. Maïssa, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat. Et mettez le microphone pour Maïssa, moi, d'abord. Ou bon, mettre avant, on a les matchs. C'est Maïssa, vous pouvez recevoir avant. Oui. Non, non, non. Non, 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 non. Ah bon? Ah bon? Et n'a pas salué tout auditeur et auditrice Radio Télé Éclair. Très bien. Ok, Maïssa, présentons rapidement, quatre loin, et nous te reconduis par le président Jovenel Moïse, ou bien est-ce que c'est même quatre qui était là avant? Et combien nous y est, qui a souillé depuis qu'il est dans la tête mairie? Comment la situation est aujourd'hui pour Capé? Moi, c'est Dieu Gis Venel. Moi, j'ai été élu dans l'élection 2015, moi, j'ai été installé en juillet 2016 avec des autres collègues, moi, son assesseur. Mais les mandats nous finis dans l'arrêté présidentiel, j'ai été changé des autres collègues, j'ai été quitté seulement moi-même et puis j'ai été voué des autres venir joindre moi. Ok. Moi, pas dans cette cartel là, moi, c'est un assesseur. Ok. Jodi, qui est état des lieux, si nous faisons état des lieux, donc, sous question Camperin,
après le passage du séisme du 14 août 2021, sa situation est aujourd'hui. C'est clair que le droit prend la rue. Parce que vous prenez la rue. Et je pense que quand on a traversé un moment qui est très très difficile, mm-hmm. depuis après le passage de Ramlan qui était 14 août. Mm-hmm. Côté à Camperin, nous avons 15 000 familles dans le moment là qui est dans la rue, une population qui est évaluée à 96 000 habitants. Mm-hmm. Nous avons 3 sections communales plus centre-ville, mais nous avons une première section qui frappe, mais nous avons une deuxième section qui est gravement endommagée et troisième section qui est gravement endommagée. Mm-hmm. Mais on t'a dit, marketing et drame dans les peut-être parfait dans la situation. En pile monde depuis autant de Masseline, il y aurait ces Camperin, okay. mais qui c'est pas ça du tout. Masseline économiquement li gravement endommagé. Okay. Et en pile monde rive mourir. Mais dans troisième section communale qui c'est une section qui reculé et côté la Ravine du Sud lui-même li séparé section communale ça avec respect tout de suite après drame dans rivière té vin en cours, même une machine ONG pour traverser pour venir dans la troisième section, côté qui gagne 16 000 habitants qui vivent. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. L'on parle de troisième section, on parle de Masseline, pas vrai? Non, non. L'on parle de deuxième section, on parle de Champlois à Masseline. Ok. L'on parle de troisième section, on parle de Tibi d'Avzac. Ok. Et c'est une section qui gagne plus de monde mourir, côté que nous comptons plus passer 300 morts et 250 disparaître. Oh là là. Avec et deux, plus passer 200 qui sont cabanes l'hôpital. Ok. Comment moun sa arrive mourir en dans plus en dans troisième section? C'est une zone côté ressources moun yo, c'est dans hauteur yo cultiver la terre en pile, mm-hmm. et puis yo fait élevage. Mm-hmm. Et puis moun sa a conseillé de âge ou pas dans zone ça, là al travail yo ka fait 15 22 jours, mois 3 mois même sans yo pas descendre dans section nan côté boucle, que dans ouais. boucle côté que yo mm-hmm. habité. Et ben drame ça qui ça le fait, di casser à moun sa yo, là gè moun sa dans falaise. Et gagner par ou pas même quand venir tant que monde nous contrôler qui disparaît yo. OK. Et si n'a attendé gain démon qui contrer, on t'a dit c'est pas démon qui contrer. Phénomène ça maïssa, expliquez-nous le matin en émission matin débat parce et que démon ça nous ouais ça même dans campagne. Exact. Vive ça même. Exact. Démon ça, il placé, il pas directement dans Pac Makaya, okay. mais il placé dans Tampon Makaya dans troisième section. Donc deux monde qui viennent font seul. Deux monde qui viennent font seul. Mais là vient du sud. Il était passé dans mi-temps deux mois ça yo. Okay. Et puis pendant deux mois ça yo cassé, yo tout devin rembler, vinn joindre dans rivière là, yo vinn foncer, laisse ça ou vinn pas gagner un couloir encore contre rivière à passer, okay. ou vinn gagner un halt. OK. Bon, on t'a dit nous gagner un li vinn faire un aéroport international. Très bien, très bien, très bien. Juste pour faire comprendre comment situation est. Et tout ça, li rivé avec Kay moun yo en balle, bête moun yo en balle. En pile monde en bas. En bas de comme ça. En bas de comme ça. Ouais. Et c'est une situation qui est très 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 difficile. Et mais il y a des gens qui ont 14 jours là. Nous avons un système de l'eau potable. Et côté depuis 86 système ta arrivé fait. Mm-hmm. Et ben li pas non seulement système n'a crasé et puis li vin et côté yo jwenn yon ti espace moun yo ap sou sel yo bwe li pas de bonne qualité parce que li gagnent mort. Qui mourit dans tête. Donc ça veut dire que dans moment on a parlé à pas dans section ça même de l'eau pour joindre pour boire voir pour ta joindre l'autre aide. Troisième section Camperin. Troisième section correct. Commune Camperin. Et même deuxième section. Mm-hmm. Et nous qu'a dit rien pour qu'on arrive troisième du tout mais c'est Camperin pour nous pour qu'on joindre. Okay. Parce que là une tierce personne venir c'est urgence l'a gérer ouais. pas un stockage ouais. que qu'a fait ouais, ouais. ou joindre monde sur tout côté. Et tant que vous avez qui même saute la ville locale ouais. depuis 5h du matin, ou jouez moun sa au Camperin. Depuis une machine fait ça paraître, et comme si moun sa au se job, yo vin job. Yo pote bourré sous li, côté moun qui victime yo. Yo jam rive jouen nan yen. Yo en bas soleil, yo en bas la pli, et la pli a même pire toujours. Mm-hmm. Parce que depuis après drame, non. Tout kay, 95% kay krasé, et de 5% kri de campé yo, moun yo. Pas faire yo confiance, mm-hmm. yo pas rentrer en bas yo parce que t'es à pas suspendre sous tout le monde dans la rue là, dans le moment là. Et tout le monde dans la rue. Ok, c'est... en termes de route, t'as souvent accès entre section et section avec le boucle. Et c'est ça qui était le problème là. Troisième section, la Ravine du Sud, t'es coupé communication parce que machine pas de quatre traverser, camion pas de quatre traverser. Et quand y a machine qui traverse, ils sont ces idées tout terrain. Ok. Qui capable de traverser li. Tant qu'on série de monde qui était dans une localité que les déglacés dans troisième section Camperin, moun sa yo, yo pas de gain rien, mais yo pas de ka joindre route même pour yo descendre, pour yo venir dans boucle là pour yo venir prendre soin.
très difficile. C'est dimanche là, intervention faite, hélicoptère, aller le déplacer en l'air et puis qu'on y a prendre soin médical. Très bien. Mais dans le moment où on a parlé avant là, tout le monde n'a pas le même problème. Gen moun nan mou mwen apal avon la ou gen problem kote pou yo dormi, men yo pa gen problem yo ve duri. Okay. Men se konsa tou ou jwenn majorite moun yo gen problem ve duri ya paske se achete yo te kon al achete l, okay. Se sa yo gen nan moun yo te kon van pou achete l, tout sa yo yo detui. Je di a men situasyon moun kapere. Okay. E mpral bon yon ekzamp tre kler, ou gen dwa pou le yon Nissan Patrol li krasé. Mais ou pas de problème de machine parce qu'on a acheté un Nissan, etc. Mais il y a des gens qui te possèdent un Nissan, etc. C'est ça seulement que tu as possédé. Il est venu le craser, même un bécan n'est pas jamais acheté. Pour nous dire qui ça. Il y a des gens qui perdent des gros cailles, mais ils viennent faire un petit bagaille. Mais il y a des gens qui ont un caille qui te coûte 20 millions de gouttes, quand ils ont crasé, ils ont fait une qui coûte 10 millions. Mais il y a des gens qui te tant qu'ils ont malheureux dans la section communale, qui te fait un petit caille, qui te venu 500 000 gouttes, mais qu'on y a le crasé, qui n'est pas dans l'état pour faire caille encore. Ça, c'est la situation que les gens vivent dans la civette, troisième section, dans Cabouaon, dans Chevalier, dans Bellevue, dans Ré, dans Delinois. Pour une virer deuxième section dans Guillaume, dans la zone Kamasline, Katish et la Roche-au-Pont, pour citer ensemble localité ça. Eh bien, je dis, nous sommes capables de dire, la population campérinoise a traversé un moment qui est très très difficile, et nous-mêmes magistrats, nous ne pouvons pas camper pour nous dire, situation dépasse nous, parce que ce n'est pas possible pour un père à chanter en tellement pour crier. Oui, bien sûr. Mais, quand même, il a dit, magistrat pas fait rien, magistrat pas fait rien, mais situation dit paraître critique. Bon. Je demande un bagage sous mot sorti à Maïsa Bafan. Et nous, c'est toi. Et est-ce que nous, si tellement vivre problème ça, nous finissons par ouais, faut que nous mettions nous dehors. Exactement. Moi, je suis le loco en pile. Ouais. Moi, je suis le bob c'est en pile. Le m'gade en imparfait. Eh bien, bon proverbe qui dit et chien marche et chien gras. Ouais. Eh bien, mettre comme des hommes qu'on est depuis dans la télé éclair. Eh bien, son petit coulier, camper à prendre un bagage. Alors, ma tout dit, tout auditeur m'a dit, sous le logo des opérations, voyez un SMS. Par WhatsApp, non, yon SMS. Ok. Maïsia, il est clair que, peuple haïtien, nous d'accord. Et nous avons une mentalité côté que nous sommes Saint Thomas. Même si nous avons fait campagne de sensibilisation pour dire, Mounio, et Paris, Tébora, Ville, nous du moins, et ranger caillou parce que quand il y a un tremblement de terre, il n'y a pas d'affaire. Maintenant, qui est la population vive? Début tremblement de terre là, ça vous avez senti ça, ouais. Qui l'a vraiment commencé quoi que vous avez danger? Et moi-même, c'est une qui vivait dans un espace qui était très difficile. Ok. Alors, tremblement de terre, monde qui était passé pour Port-au-Prince, Calvi, était bien comprendre ni. Correct, que monde en dehors. Que monde en dehors. Parce que, comment, d'ailleurs, j'en fait là, en dehors, pour moi, c'est pas tremblement de terre. C'est terre senti qu'à plonger à vous. Bon, c'est ça que je dis, matin. C'est pas trembler, trembler. Et pas trembler, trembler. Seulement quand on campe, on senti la. Ou avant entrer. Ou avant entrer dans la terre. Moi-même, c'est comme ça que je me senti. Ok. Et puis, c'est comme ça, on a regardé la terre trembler à l'époque, et 2010, qui a écrasé. Mais pour qu'on ait assez de cailloux, on a senti qu'on a trembler dans la terre, rentrer dans la terre. Donc, on a senti la fun. À fun. Et c'est comme ça, lui-même. Ok. Tout côté passé, il a fun. C'est pas seulement terre à trembler, qui a écrasé, mais terre à fun. Et il y a des gens qui ont écrasé, je dis, même si on a une aide pour faire caillou, il n'y a pas de terrain, parce que côté caillou, il n'y a pas de répondre à la construction encore. Correct. Mais c'est la situation grave et besoin immédiat, je dis, Xavier. Et. Prie là. Manger. Soins médicaux parce que nous avons besoin d'assistance psychologique. Ok. Et tente, l'eau. Et on cite ça seulement pour le moment d'en parler là. Ok. Tente, prela, de l'eau et puis assistance médicale. Assistance médicale, manger. Très bien. Ça très important. Bon. Ou pas qu'à passer dans matin débat et puis pour pas avoir un résultat, nous allons regarder pour nous. Ok. Et ma profite de ça tout. Magistrat pas venu là, venu chercher aide pour le bal, aide pour le aller. Très bien. Du fait que moi vini dans matin débat avec Louko Desi et moi compté sur Louko, moi bal responsabilité pour le chercher pour camper un pour joindre la population mais ça joindre pour camper un et puis pour venir camper un pour magistrat accompagner pour porter l'aller pour pas dire magistrat te venir dans radio il te venir chercher Edli il te kembel kay famille Port-au-Prince il te stocker mais tout ça capable joindre m'a tenu sur terrain camper un c'est pas moi pour ce Port-au-Prince avec pour porter bail pour noter en tout cas et matin m'a tout du magistrat. Vin nou vin la, et nous gagnons
et possibilité pour nous faire joindre $1,000 américains matin là. Et c'est comme ça, vini mercredi demain. Ok, parce que hier, l'équipe Fondation Loco Désir, okay, nous avons travaillé et puis nous avons dit que $1,000 américains, qu'on 100 000 gouttes qui sont à côté. Ok, okay? Là matin, alors déjà, le matin débat, donc il y a 100 000 gouttes là. Campéré, il y a 100 000 gouttes. Là, il y a matin débat. Et vous n'avez pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Ça fait un peu plaisir. Parce que ça va chauffer. Chauffer là. Chauffer là. Chauffer là. Il y a possibilité pour nous assister. Si nous avons 15 000 familles qui sont victimes, qui ne sont pas en train de nous aider. Ou déjà, il y a 100 000 gouttes demain matin, 100 000 gouttes dans le monde. Pas de problème, nous vous remercions. Et merci déjà à Mme Anne-Marie Héra. Merci en pile, Mme Anne-Marie Héra. Ok, donc vous avez 100 000 gouttes déjà là, demain comme ça, à Bissia, donc sous table matin débat. Ok, allez, chauffez là, chauffez bien matin là. Ok, relève-moi direction générale radio Téléclair, mais ça n'a pas pour copier. Rapide. Direction générale radio Téléclair, et rapide. Oh, on va passer le matin débat. Vous avez joué, monsieur. Oh, direction générale Radio Téléclair, monsieur Patrick Joseph et directeur général Gaëtan Joseph, monsieur, mettez bagages sous table là. OK, chauffer n'a pas chauffé pour camper matin là. OK, c'est décalé, j'ai le passé. Donc chauffer n'a pas chauffé, on allait. Maïssa, on va bannir mon téléphone nous là. Zami matin débat qui dans diaspora pour camper, moun qui c'est moun camper qui dans diaspora, quel que soit côté là, Maïssa camper avec nous matin là. OK, camper besoin backup nous. OK, madame Yannick Mézil qui voulait côté coller avec camper qui déjà sur le terrain, qui déjà sur le terrain, bien entendu. Et Yannick Mézil n'a pas qui passe de présentation. Ancien ministre à la condition féminine. Et présidente de FAPME. Attendez. Place pas. Combien de boules? Allez, madame Mézil, bonjour. Bienvenue à l'émission de débat. Je salue magistrat. Et je salue tout le monde qui a péré. Et je voye ce parti Mbayo. Tout le monde qui est victime. Et pour moi, je magistrat. Et équipe nous qui est sur place pour soutenir, c'est exactement ça. Nous travaillons pour les magistrats, au contraire, nous avons pris d'ici mercredi ou jeudi, mais nous ne pouvons pas venir encore parce que nous avons l'autre aide qui a venu près là, qui a venu pour nous parce que bon, l'équipe nous souterrait, sinon c'est prêt. Pas déplacer, madame Mézil. Allô, madame Mézil? Madame Mézil, où là? Communication va trop clair, faut-il débattre tout petit. Madame Mézil, où là? Est-ce sur WhatsApp? Non, correct. Donc nous allons regarder Bayola, rapide là. Allô? Oui, madame Mézil. Allô, nous pouvons dire ça. Oui. Nous-mêmes, fédération, en FAPME, AXI, et ça, nous connaissons tout. Nous-mêmes, nous ne sommes pas participer à la catastrophe naturelle qui fait notre pays. Non, ça a pété tout le pays comme ça. Nous participons en grand pompe. Et c'est une raison tout hier, nous avons rencontré avec une équipe commerçante. Communication pas claire, mon Dieu. Parle que de Fontidon. Bon, Fontidon. Madame Mézil, communication pas claire, allô? Allô? Ouais. Voilà. On a les communications difficiles. Et les bons cafés pour me parler. Ok. Nous avons fait déjà et nous-mêmes, ah, c'est nous avons assemblé. Pour aller et pour faire grand sud là. D'accord. Nous allons les Cavaillon, Campérin, Pestel, Corail, et bien arriver dans le pays, nous, Jérémy. Très bien. Bon bagage. Mais Messan Bill n'a pas mis son numéro de téléphone, nous, la rentrer en contact avec vous. Les mettre en contact avec nous, on va ajouter tout nous. Nous ne pouvons pas faire distribution, graine par graine, etc. Oui. Nous allons faire magistrat, l'église, et association de famille, n'a pas remettre ça nous côté, c'est eux-mêmes qui vont faire distribution. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui vont faire distribution par population. Bien, merci beaucoup. Nous avons demandé la population, c'est que les nous entrons avec camion, par camion, aux chances pour que nous arrivions
et à destination. Correct. Parce que nous ne pas aimer que nous prenions le PI dans la route et puis nous-mêmes, nous ne nous pas atteindre l'objectif. Nous pouvons profiter de remercier médecins, docteur Holdorf, tout le monde qui est à l'étranger, docteur Yo, qui font bel geste avec nous. Que ça soit ces psychobio voyez, que ça soit ces médicaments, nous remercions et nous garantissons que Edioa football debout, nous garantissons que Edioa pourra aller joindre victime nous. Merci Bill, madame Mézil, merci Bill. Merci beaucoup. Non, téléphone, merci en pile. Voilà, donc ça c'est madame Yannick Mézil. Et on va communiquer à Maïsa, donc téléphone, madame Mézil. Ok, matin, n'a pas cherché pour campérer. C'est notre gars, ça devrait comment nous. Et dans le fond, je salue toute équipe matin débat, je salue tout le monde qui a suivi. Mais avant, dans le fond, nous sommes. Très bien, ok. Maïsa, on va téléphone nous. Et Zami matin débat qui gagne, que nous gagnons dans la diaspora, et bien nous demandons pour nous supporter, donc mairie. Campérin, Magiska Campérin, Maïsa Campérin qui est avec nous là. Donc tout ça nous a fait, nous mettre fait avec. Maïsa.